pour une nouvelle vidéo avec même, je dirais, un nouveau concept puisque c'est la première de cette catégorie-là. J'avais envie de vous présenter le top 5 des produits de beauté que je viens de découvrir ce mois-ci et pour lesquels j'avais trop envie de vous partager parce que vous voyez, c'est un peu comme à sa meilleure amie, on a envie de lui donner les bons plans pour être aux formes et pour être la plus jolie. Du coup, si vous aimez bien ce genre de vidéo, ben, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire quel est le produit que vous avez préféré, celui qui vous tente ou celui que vous connaissez peut-être déjà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas le cas. Voilà. Tout d'abord, le premier produit coup de cœur, c'est un mascara. J'avais reçu donc le petit échantillon dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Et donc, c'est le mascara de chez Aiko, le Black Magic Mascara. Du coup, j'avais tellement été bluffée par le résultat de ce petit mascara, et en plus c'était qu'un échantillon, je me suis dit, je vais acheter le full size, parce que clairement, il est terrible ce mascara. Tout d'abord, sachez que ce mascara est enrichi en beurre de karité, donc en même temps, il permet de soigner les cils tout en apportant volume, noir, intensité et de la courbure. Tout ça, oui, dans un seul mascara. Ce que j'aime, c'est au niveau de la formule, hein, qui est complètement différent des mascaras que l'on peut connaître habituellement. C'est déjà un packaging en un espèce de plastique et la brosse est complètement incurvée. Du coup, il nous fait un résultat splendide, un beau galbe. Il ne fait pas de paquet, donc ça je trouve c'est super important. Il donne un beau noir, une belle intensité. Clairement, il fait partie de mes préférés au niveau de mes mascaras. Donc si vous cherchez quelque chose, un joli rendu, de la courbure, ce mascara est fait pour vous. Il faut savoir aussi qu'il ne contient pas de parabènes. Vous le retrouverez sur le site de Look Fantastique. En sachant aussi qu'en ce moment, il y a moins 20% sur leur site des 70 euros d'achat. Deuxième découverte de ce mois-ci, et c'est encore grâce à un calendrier de l'Avent, cette fois-ci de chez Beautiful Box, c'est ceci. Mais qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un dentifrice, oui, un dentifrice solide, donc c'est complètement différent des dentifrices que l'on peut avoir actuellement. Et pourquoi franchement je vous le conseille? Alors tout simplement parce qu'il ne nous donne une haleine ultra frais. Dedans il y a donc de la menthe poivrée et de la menthe des champs. C'est de la marque Pachamamaï. C'est trop marrant à dire, Pachamamaï. Et donc c'est une marque qui est française, cruelty free, vegan. Donc je pense que là-dessus, on va être trop content de savoir qu'on utilise un produit qui est vraiment voilà, de très très bonne qualité. Outre sa forme donc de solide, de dentifrice solide, et comme vous pouvez le voir, on l'a bien attaqué mon chéri et moi parce que lui aussi il l'adore. C'est un dentifrice qui ne mousse pas, donc c'est assez déroutant hein, puisque tous les dentifrices qu'on utilise actuellement moussent. Donc là ça ne mousse pas, et alors aussi deuxième surprise, c'est qu'il n'est pas sucré, c'est un dentifrice qui n'est pas sucré. Croyez-moi, votre cerveau n'est pas habitué à ça. Il se dit à chaque fois, j'attends un truc sucré là, mais non. Pas sucré, donc on a vraiment que cette haleine de menthe qui est vraiment ultra intéressant. En plus il est anti-tarte, donc c'est parfait parce que moi franchement c'est mon problème, et il protège les gencives sensibles. Si au contraire vous préférez opter sur l'éclat des dents, eh bien sachez qu'il existe aussi au charbon qui est spécifique pour l'éclat des dents. Je pense même que je ne manquerai pas d'essayer la prochaine fois. C'est très simple d'utilisation, il suffit de mouiller sa brosse à dents, de frotter le petit galet et puis bah, le tour est joué. Ensuite il faut laisser sécher le petit format, il ne faut pas refermer. C'est très pratique puisque c'est un petit format, donc ça veut dire qu'on peut l'embarquer partout avec soi, ça ne prend pas de place. Vous le retrouverez donc sur le site de Pachamamaï. Et au prix de 12 euros avec la petite boîte, et vous pouvez acheter uniquement la recharge qui est au prix de 9 euros. Et franchement, c'est une super découverte. On va passer au troisième top, et cette fois-ci, on va passer carrément au maquillage puisque je vais vous présenter ce pinceau fond de teint. Qui n'a pas rêvé de trouver le pinceau idéal pour mettre son fond de teint liquide? Et bien, c'est chose faite avec celui de chez Nocibé,
qui plus est soldé en ce moment à 50%, donc voyez-vous, c'est juste une très bonne affaire. Malheureusement, il ne se trouve pas sur le site de Nocibé, il va falloir vous déplacer jusqu'au magasin pour essayer de le trouver. Il s'appelle le Tapoteur. Comme vous pouvez le remarquer, c'est très très fluffy, ce qui permet en fait de pouvoir appliquer le fond de teint de manière aérée, de manière naturelle, et du coup on a un résultat hyper naturel, peau nue, que j'adore. C'est un pinceau, si vous cherchez quelque chose de naturel, de pas trop couvant, et bien c'est le pinceau idéal pour voilà, ce fini naturel qu'on aime tant. À appliquer avec un fond de teint liquide, puisque ça permet en fait une meilleure dispersion, j'ai envie de dire, du produit sur le visage. Clairement, c'est mon nouveau joujou que j'utilise depuis que je l'ai acheté. J'ai mis mon Beauty Blender de côté pour ne prendre que celui-ci. Je vous ai pas dit le prix. Plus ou moins une dizaine d'euros puisqu'il était soldé à 50%. On passe au quatrième top et cette fois-ci, de nouveau, merci, look fantastique, puisque j'ai eu l'occasion de tester une huile aromatique déstressante, relaxante de la marque Aromatherapy Associates. Comment vous dire que c'est une odeur réconfortante. Imaginez-vous une journée plombante, fatigante, et vous ne rêvez plus qu'une chose, vous détendre dans un bain avec des odeurs de gingembre, de romarin, de lavande et de poivre noir. Toutes des infusions qui détendent l'esprit et le corps. Oui, vous n'avez pas rêvé, c'est bien celui-ci. Du coup, j'ai pas pu résister, comment vous dire, c'est une odeur tellement addictive, tellement agréable, une odeur de plante, hein, vous savez, il faut aimer ce genre de parfum, mais c'est ultra, ultra agréable. J'avais pris donc mon bain avec cette petite fiole, j'avais utilisé la moitié, et je vous dis, une heure plus tard, ça embaumait encore toute la salle de bain, tellement que c'est une odeur très puissante, mais vraiment c'est relaxante. D'ailleurs, j'aimerais trouver une crème corps pour pouvoir m'enduire de ce parfum, parce que franchement, c'est dingue. C'est vraiment l'odeur qu'on recherche lorsqu'on a besoin de se détendre. Alors, attention à éviter, par contre, si vous êtes enceinte, en tout cas, je vous félicite si c'est le cas, puisque dedans, en fait, il y a de l'huile essentielle et du coup, bah, c'est pas très recommandé. Vous retrouverez ce produit donc sur le site de Look Fantastique, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos, au prix de 67,95€ pour les 100ml. C'est vrai que c'est pas donné, en même temps, bon, j'utilise pas non plus tous les jours dans mon bain, c'est vraiment quand j'ai besoin de me relaxer, vous savez, par exemple, même avant d'aller vous coucher, vous êtes stressé, c'est vraiment quelque chose de très 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 agréable. Attention, nous voilà arrivés donc au dernier produit de cette première série. Est-ce que ça vient encore d'un calendrier? Mais oui! Encore, j'ai envie de dire heureusement, hein, parce que vu les prix des calendriers, si j'avais pas trouvé mon bonheur dedans, cela aurait été bien dommage. Heureusement qu'il y en a que 5. Et donc ce cinquième produit que j'ai envie de vous présenter, de partager avec toi ma meilleure amie, c'est le Lipstick Queen teinte comme ça. Et là, tu te dis, t'as peur, là. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me montre? Elle me montre du vert, le froggy? Elle veut me transformer en grenouille? Mais non, n'ayez pas peur. C'est un baume à lèvres qui vient changer de couleur selon le pH de ta peau. On veut dire que c'est entre le baume à lèvres et le maquillage, vous voyez? Il se situe au milieu puisqu'il hydrate vos lèvres et en même temps il apporte une jolie couleur. En plus, il fait un effet glowy mouillé, il tient bien, il hydrate bien, en fait bref, c'est vraiment le petit truc à avoir dans sa poche. Vous savez, ça prend pas de place, moi je le balade partout. D'ailleurs j'ai dû le chercher pour la vidéo, je savais plus ce que j'avais mis, il était dans mon blouson. Parce que voilà, on n'a plus qu'à dégainer un petit peu n'importe où, vous savez, en fin de journée vous n'avez plus beaucoup votre maquillage. Le maquillage a séché sur vos lèvres. Vous savez, l'hiver, les lèvres ne sont pas épargnées. Eh bien, écoutez, ce produit est vraiment super. Il coûte 24€. En plus, il est enrichi en vitamine E et en beurre de karité.
Donc du coup, là, l'action hydratation. Et en plus, il donne un petit effet glowy pas mal quand même. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous maintenant pour me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire un petit peu quel est le produit que vous avez préféré, celui que vous connaissez peut-être, hein, ou celui que vous avez déjà acheté, ou celui qui vous tenterait, ou celui que vous n'aimez pas du tout. Peu importe, dites-moi un petit peu votre avis parce que votre avis m'intéresse. On se retrouve très vite et n'oublie pas de t'abonner. Kiss kiss.